bienvenue sur la chaîne Ange 14. Alors, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va nickel. Pourquoi? Parce que nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, c'est le menu semaine que je vous dis là dans la vidéo et que je mettrai forcément dans le groupe dans l'onglet fichier. Donc c'est un tableau, je répète pour celles ou ceux qui sont nouveaux, c'est un tableau que j'établis, un tableau Excel, hein, voilà tout simple, mais menu, en dessous vous avez la liste des courses. Donc en fait, soit vous allez au supermarché et vous prenez ce qui est marqué, ou soit directement sur le drap. Donc je reprécise bien pour tous nos nouveaux membres, une vidéo tous les dimanches avec mon menu semaine, donc le tableau Excel, hein, tout simple avec le menu semaine, mais je détaille juste un petit peu sur la vidéo pour que vous ayez l'eau à la bouche et que vous preniez le menu, hein, vous pouvez l'imprimer après, il se situe dans l'onglet fichier. Alors le gainage, nous sommes à la moitié du chemin. Ça commence à être vraiment dur. Alors pour celles qui ne peuvent pas tenir, il n'y a pas de problème. Hein, on peut changer d'exercice, vous pouvez faire autre chose pour que ça soit un peu moins dur pour vous. Après, vous pouvez peut-être réduire les secondes. Voilà, donc bon, moi je continue pour le moment. Pour l'instant, j'arrive à tenir. Bon, c'est pas évident. Bon, après, j'essaierai de trouver des exercices pour le dos pour avoir une posture, une meilleure posture et une posture plus droite. Ça serait pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites ça aussi. Mais je pense que c'est pas mal. Je précise aussi pour tous les nouveaux, je ne suis pas diététicienne, hein, je le rappelle. Juste, je propose mes menus semaines. Donc, c'est par rapport à ma propre expérience qui marche, hein. Donc là, j'ai encore perdu 500 grammes. Youpi, youpi, youpi. Donc voilà, je suis à 66,5, je suis heureuse. Il me manque encore, on va dire, 7 kilos. On va dire 7 kilos pour arriver au petit 5. Vous voyez, 500 grammes, hein, moi je suis super contente. Voilà, si on fait 500 grammes par semaine, c'est idéal. Si vous faites plus, bon bah voilà, c'est bien. Parce que j'en vois certaines qui sont déçues. Et franchement, il faut pas parce que... Vous voyez, quand vous prenez 500 grammes, vous êtes super... vous êtes super déçus. Ça vous fout le moral à zéro, et quand on perd 500 grammes, bah, on n'est pas tip top, bah, alors que c'est génial. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Je vais vous faire des vidéos aussi, j'ai deux vidéos à vous faire, enfin déjà, oui, déjà la vidéo questions, vos questions, mes réponses. Donc là je suis en train de fignoler déjà par écrit, parce que je suis en train de refaire chaque question. J'essaye de vous donner vraiment précisément mes réponses. Donc voilà, donc déjà vos questions, mes réponses, ça sera bientôt, hein, au niveau de la vidéo. Mais je fignole et puis je vous le dirai de toute façon sur le groupe. Après, je ferai une vidéo sur les 10 aliments conseillés pour la perte de poids. Ces deux vidéos, vos questions, mes réponses, et la vidéo au niveau des 10 aliments que je vous conseillerai au niveau de la perte du poids. Donc c'est drainant et c'est bon pour le transit, d'accord? Allez, c'est parti pour la semaine, je vous dis ça tout de suite. Au programme cette semaine, donc clafoutis au thon arlequin, je précise arlequin. Vous le trouverez aussi sur l'application Wet Watchers. À chaque fois j'oublie le S, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc clafoutis au thon arlequin, c'est 3 SP sur 4 parts. L'omelette au chocolat avec poire, hein, j'ai mis poire en même temps, c'est un SP, génial, ça sera super bien pour le goûter, enfin collation, comme vous voulez. Roulé de truite fumée aux lentilles, donc c'est un SP, donc on peut en prendre, moi j'en ai mis 3, comme ça, ça fait 3 SP, après bon, j'ai mis riz, etc. Voilà, donc tous les jours, hein, nous sommes sur je le redis, nous sommes sur 23 points, donc ça c'est par rapport à moi, mais si d'autres ne sont pas sur le même nombre de points, je reprécise qu'il faut réajuster forcément, d'accord. Le lendemain, on aura la brioche à la saucisse. Alors je sais que
Ça fait super longtemps que j'essaye de retrouver cette recette-là, brioche à la saucisse, parce que ma maman faisait Wattwatchers à l'époque et avait cette super recette brioche à la saucisse. Donc c'était avec les pro-points ou avec les unités points, enfin bon. Et donc je n'arrivais pas à retrouver. Et comme la semaine dernière, je suis allée chez mes parents, du coup j'ai retrouvé toutes ces recettes et ces livres, d'ailleurs dans la brioche à la saucisse. Donc j'ai calculé moi-même ce que ça faisait. Donc du coup ça fait 10 points, 10 SP. Bon, pour le déjeuner, voilà, avec une bonne salade et un fruit. Donc l'après-midi, on sera avec une compote sans sucre et fruits. Et le soir, un burger de pain nuage. J'adore le pain nuage. Donc un burger de pain nuage avec du jambon et chèvre et miel. Et à 5 SP. Voilà. Et donc du coup, ça nous fait un total de 23 points pour le mardi. Après, nous allons avoir aussi des lasagnes à 7 SP. Pilon de poulet, j'adore le pilon de poulet, c'est simple, rapide à faire. Pilon de poulet, pommes de terre, vous pouvez le faire également au Cookeo. Voilà, c'est tout simple à faire. Nous allons aussi avoir cake au jambon, après-midi boule cake banane. Et le soir, une salade croustillante. J'ai essayé il y a 2 semaines, je crois, la salade croustillante au pain nuage. Oh, un régal. Donc voilà, le soir, hein, salade croustillante de pain nuage avec du jambon, de la salade. J'ai pensé mettre aussi un demi-avocat et du riz. Voilà, parce que l'avocat, il faut pas trop en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Donc allez, hop, un petit avocat. Pour le lendemain, on a c'est 7 SP. Je sais pas si je vous l'ai marqué. Bref, c'est 7 SP pour la salade. Le lendemain, noix de Saint-Jacques. J'aime bien les noix de Saint-Jacques. Donc allons-y, aux épices et boulgour. Quatre SP. Il y a eu un petit. Mon tableau s'est un peu réduit. Donc du coup, il me manque. Mais bon, si je calcule, ça me fait oui, bien 4 SP. Nous allons avoir le fameux moelleux à la banane. Est-ce que j'ai vu qu'il y en avait une qui avait testé ce moelleux à la banane à sa façon? Est-ce que d'autres l'ont testé? J'avoue que la semaine dernière, vu que j'étais pas chez moi, je ne l'ai pas testé. Je vais peut-être le tester cette semaine, du coup. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça doit être bon aussi. Après, le soir, une omelette au jambon. Allez, hop. Le lendemain, faritas de dinde. J'adore les faritas aussi de dinde et pommes de terre. Ça va être bon aussi, ça. À 7 SP. Vous voyez, c'est pas très. Il n'y a pas trop de points. L'après-midi, les fameux pancakes. Donc ça fait fureur les pancakes, hein. C'est tout simple à faire, vous avez vu, rapide, léger et très très bon. Voilà, que demander de plus? Voilà. Le soir, on va faire une papillote de saumon et fenouil avec au citron vert. Avec des petits citrons verts, c'est très très bon. Et un peu de riz à la crème. Et c'est 5 SP. Nous allons avoir aussi pour le dernier jour, vu que c'est dimanche, on se lâche un petit peu, mais bon, pas trop, pour que ça fasse bien les 23 points sur la journée. Et des spaghettis carbonara, c'est 6 SP, donc ça va, franchement. Et le soir, un croque-nous-deux, pour bien terminer la semaine, un petit croque-nous-deux à 5 SP. Voilà pour les menus encore de la semaine. Donc ça va être encore méga super bon. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, je me régale à faire ces recettes et c'est toujours un plaisir de vous régaler en même temps. Donc voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits pouces bleus. Ça me fait plaisir, comme je dis à chaque fois. J'ai des grands sourires quand vous mettez des likes. Et surtout, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. En plus, c'est gratuit, hein, donc voilà, profitons-en. Et n'oubliez pas, là, je viens de voir hein, qu'on pouvait mettre la petite cloche à côté. Vous appuyez sur la petite cloche et à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, ça vous alerte. Donc ça, c'est génial. Donc mettez surtout la petite cloche à côté. Voilà, donc avec l'abonnement, les petits likes et voilà. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très bonne semaine. Marquez bien sur le groupe ce que vous avez perdu en poids ou si vous êtes démotivé. Hein, on est toutes là. Hein, je vois que beaucoup se
se mobilisent sur chaque commentaire et ça, c'est génial. Donc, continuons comme ça sur le groupe. Et moi, je vous dis à dimanche prochain sur la nouvelle vidéo menu semaine. Gros bisous.